En pleine nuance de gris, je me morfonds. Je doute, je balise, je me demande. Ma place est-elle légitime? Je le mérite? Suis-je digne d'exister? Je me mets alors en quête de couleur, en quête de moi-même, seul détenteur de la réponse. Je me dis que... si je trouve toutes ces nuances, tous ces traits qui me définissent dans ce voyage initiatique, je trouverai enfin une voie, un semblant de repère, un semblant de solution existentielle. Si on a tous sa place quelque part, j'ai forcément la mienne. Où? J'en sais rien. Peut-être ici, peut-être au loin, peut-être seul avec juste mes pensées comme compagnon, je ne sais. Pour l'instant, je dois recoller les morceaux dans cette grotte pleine de mystères. Je m'enfonce et je joue avec les couleurs. Pourquoi? Pour quel but? Pour quelle raison? Réflexion, intelligence, danger, plaisir de trouver la clé, plaisir d'atteindre la sortie, plaisir des rencontres. Qui sont ces guides? Existent-ils pour moi seul? Sont-ils là pour m'aider? Puis-je me confier? Dire ce que j'ai sur le cœur sans moquerie aucune, sans poignard dans le dos? Juste de l'écoute, de l'attention, de la bienveillance, du bien-être qui contamine le mal en offrant des couleurs. Une vision plus lointaine au-delà de la bulle qui diminue le champ de vision, le champ des possibles. Cette bulle qui, à chaque nuance de doute, rétrécit sans se soucier de son intérieur. Là où on sera étouffé, à l'étroit, où aucun son ne sort, aucun au secours, aucune voix pour crier à l'aide et percer cette bulle. Seul au milieu de nulle part, entre deux murs, sans accès, où seul un glitch nous y a glissé. Presque un néant, où telle une statue de cire, nous attendons la visite d'une main tendue pour recommencer à vivre. Le combat de soi-même vers ce flot inconnu, le combat de soi-même pour trouver du mouvement. Attendre une main tendue quand personne n'est au courant, la sottise. Il faut se remuer et percer les secrets du puzzle. Il faut s'en sortir par soi-même, être fort, toujours fort, jamais faiblir. Trouve le bon chemin, collectionne les couleurs, va de l'avant, construis, sois toi. Oui, voilà de quoi s'endurcir, de gagner son indépendance. Ce n'est pas à moi de rechercher une main tendue, non. Je suis celui qui écoute, qui comprend, qui aide à aller mieux. Combien d'âmes en peine sont prisonniers autant que moi? Combien ne peuvent-ils bouger, ne serait-ce un muscle, dans cette bulle restreinte? Je dois les sauver. Ils ont besoin de moi. Je peux les comprendre, leur donner de l'optimisme, des couleurs. Que l'orage et le temps qui éteint toute lumière puissent laisser présager que ce n'est que passager et qu'il faut continuer sans cesse et que rien n'est grave. Non, rien n'est grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est rien. Juste un moment. Ça arrive. Ça passe, mais oui, ça passe. Trouvez vos couleurs. Regardez la ligne d'horizon. Respirez un grand coup et nous ne nous laissons pas maîtriser par cette bulle faussement confortable. Il reste tant de couleurs à collecter avant d'être entier. Ce voyage ne fait que commencer.